préparer un tiramisu. Alors c'est tout simple. Voilà, j'ai mis ici des jaunes d'œufs que j'ai battus avec du sucre de coco, 100 g de sucre de coco et 3 jaunes d'œufs. Ici j'ai mis les blancs que j'ai battus en neige. Et ensuite on a besoin de cacao en poudre, de tofu soyeux parce que je prépare sans produits laitiers. Et des boudoirs, après vous pouvez en trouver sans gluten. Et ici j'ai fait du café assez fort et donc je vais tremper mes gâteaux. Et ensuite là je vais mélanger les blancs avec les jaunes et le tofu soyeux pour faire la crème. Et ensuite je vais faire une couche de gâteau que je vais tremper dans le café et que je vais mettre dans le plat. Je vais faire une couche de gâteau, une couche de crème, une couche de gâteau et je vais finir par une couche de crème. Et après on va mettre le cacao. Bon, là je vais rajouter le tofu soyeux au sucre et au jaune d'œuf. Je vais pas tout mettre parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je vais mettre juste une petite partie. Il faut à peu près normalement 250 g. Bon, j'en mets un tout petit peu plus. Voilà, ensuite on va mélanger et après on va rajouter les blancs d'œufs. Alors on incorpore toujours les blancs. Et on essaye de ne pas casser les blancs. Et garder la mousse aérée. La mousse, elle ne sera pas blanche comme les tiramisu parce que le sucre est blanc. Le sucre de coco, il est marron. C'est une belle mousse. Alors là j'imbibe les biscuits à la cuillère de café, un café assez fort. Alors, je les laisse tremper un tout petit peu. Voilà, on a fait une première couche de gâteau trempé et on va faire une première couche de crème. On commence avec une deuxième couche de gâteau. Donc là on met la dernière couche de crème et ensuite on met au frigo. On laisse prendre au moins 4-5 heures. Et après, on mettra le cacao cru, enfin ou le cacao que vous avez comme cacao, par-dessus. Et seulement à la fin, on va en servir, sinon ça.